can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me. Tu vas faire quoi cet après-midi? Je vais faire mes devoirs, je vais aller à la danse et je vais réviser, tu sais, pour mon contrôle d'SVT. C'est sur les séismes, les volcans et les matières premières. Jasmine est une petite fille de 11 ans et demi qui est en 6e. Contrairement à toutes les autres petites filles, elle est en horaire aménagé. Donc suite à l'école, le lundi et le jeudi, elle sort à midi et elle vient s'entraîner à la danse. Ciao. Du coup, sinon, ça s'est bien passé, toi? Ouais, c'est avant d'aller à la salle de sport et tout, parce qu'il n'y avait pas pressiné. Jasmine est la deuxième de 4 enfants. Ça va, les filles? Salut. Ça a été? Ouais. Ce matin, quand, ouais. Elle est vraiment très méritante, dans le sens où elle n'a absolument ni son père ni sa maman qui ont fait de la danse avant. Pourquoi? Elle doit vraiment son niveau grâce à sa ténacité et sa force de caractère. Jasmine, se sentira pas de travailler ta SVT? Ouais, ouais. T'es oui. En contrôle, c'est sûr? De toute façon, j'ai déjà un peu révisé. Ben oui. D'accord. Elle est très studieuse, elle a des excellents résultats scolaires et je pense que la rigueur qu'elle s'inflige à la danse est la même qu'elle s'inflige à l'école. Allez, il est là demi, c'est l'heure d'y aller. Je révise à SVT le temps que j'amène les petits. Okay. Et après, quand on rentre... Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, ciao. Ce qui est vraiment super avec Jasmine, c'est qu'on peut lui faire confiance à 200%. Elle est organisée et appliquée. Et du coup, en fait, je lui ai confié des rôles principaux et elle m'a jamais déçue. Ce qui est beau avec Jasmine, c'est que toute la famille est derrière. Nadia, sa maman, organise toutes ses journées en fonction des classes de danse de Jasmine. Bon, allez, Jasmine, à tout à l'heure. Tu penses bien tes pirouettes, hein? Ouais. Tu t'échauffes bien et... Allez, à tout à l'heure. Ciao. C'est vraiment une aventure familiale. Jasmine, quand elle danse, a une très belle légèreté. Elle est très gracieuse. Elle a une musicalité qui lui permet de réussir des chorégraphies d'étoiles. Quand je vois danser Jasmine sur scène, elle me bluffe à chaque fois. Elle est travailleuse, rigoureuse, et elle a un corps qui est vraiment bien sculpté pour la danse. Jasmine a un challenge qui l'attend dans 3 mois. Elle participe à un des plus grands concours mondiaux de danse classique à New York. Jasmine travaille dur pour avoir les mêmes résultats qu'à la demi-finale où elle a été déjà impressionnante et remarquée par le jury à Paris. Porte ta cuisse, un peu mieux. Vas-y, reprends. Et cuisse, et rapidité, et suspension, et accélération. Et suspension. Jasmine et moi, on a un rapport extrêmement proche. Je l'ai vue grandir en danse. J'ai été un peu comme sa maman de la danse, entre guillemets. Moi, je trouve que c'est vraiment courageux de vouloir tenter la version d'étoile. Hein. Donc, c'est bien. Tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Jasmine, selon moi, peut intégrer l'Opéra de Paris. Elle en a le courage, elle en a le niveau. Il va falloir juste qu'elle arrive à se séparer de sa famille parce qu'elle est très familiale.